Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un jeu sorti sur Game Boy en 1995 qui est King of Fighters 95, édité par Takara, Laguna Game également. On voit qu'il y a Infogrames. Donc voilà, c'est une conversion du hit de Neo Geo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu King of Fighters, c'est un petit peu le rassemblement de divers combattants des jeux issus de l'univers SNK, Art of Fighting, Fatal Fury, voilà, bref. Donc c'est une conversion de très bonne qualité. Étonnamment sur les Game Boy, les conversions que font Takara des jeux issus de l'univers SNK sont de très bonnes factures. Vous pouvez prendre aussi World Heroes Jet. Voilà. Alors évidemment les sprites sont petits, les personnages sont en SD, donc super déformes. Mais ça fait le job, c'est ultra rapide, c'est ultra maniable. Pourtant, il n'y a que deux boutons. Mais en fait, c'est très optimisé. Donc, sorti en 95, on voit optimisé pour Super Game Boy. Ce qui veut dire que si vous mettez un Super Game Boy, il y aura un petit décor, ce sera colorisé à partie. D'ailleurs, on va voir ça. On va faire un gameplay sur une Game Boy pour modifier, pour qu'on voit mieux. Et sur une Game Boy Advance, également modifié pour qu'on voit vraiment le côté couleur. De la bébête. Donc voilà, je ne suis pas un pro de ce jeu, mais j'adore. J'adore parce que c'est un côté vraiment technique par rapport à un Street Fighter qui est quand même technique. Celui-là, c'est vraiment, on va dire, c'est le côté hardcore gamer du versus fighting. Pour ma part, c'est l'expérience que j'en ai eue. Ouais. Donc c'est parti, on va faire une petite vidéo de gameplay et on va voir les différences selon les consoles. Allez, c'est parti. C'est parti sur la Game Boy. Donc là, le Game Boy est modifié, en plus avec un petit rétroéclairage jaunâtre. Donc modifié avec en plus un bivert pour avoir quand même une meilleure qualité. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de musique. Voilà. Là, il n'y a pas de musique, toujours donc voilà, Heat of Battle. Donc c'est voilà, SNK 96, Takara Laguna est licencié par Nintendo. Alors je sais pas ce qu'a foutu Infogrames là-dedans. Peut-être pour la distribution. Dans les options, nouvelle normale, tout ce qu'il y a de plus simple. Single ou team. On va faire un petit single. Et là voilà. Donc on a Kyo, Andy, Terry, Rio, Robert, Yuri, Arthur, Leona, Krauser, le Big Boss, Mr. Big, Jizz Howard, Mei, Daemon, Athena et Shizuru. Bah c'est dommage parce que, enfin, il me semble qu'on peut débloquer trois personnages. Voilà. La musique est sympa. Oh la vache. Bien mis dans la tronche. Oh la furie de merde. Alors pour charger, il faut appuyer sur les deux boutons et vers le bas. Voilà, KO. Donc on voit, c'est tout mimi. Je suis désolé si ça prend un petit peu, c'est pas évident de jouer à un suspens. Mais si je suis posé. Voilà, on voit que c'est quand même assez. C'est hyper sympa quoi. Ça, les coups sortent tout seul quoi. Il n'y a vraiment pas besoin de se faire chier à. Bien joué. Donc, les deux boutons pour faire les esquives. Hop. On va l'achever. Voilà. Maintenant, on va passer sur Game Boy Advance.
Nous voilà sur Game Boy Advance, modifié. Encore une fois. Les gens vont dire, ouais, il fait chier, il modifie tout, il se la pète. Moi, ouais, mais je trouve que c'est quand même plus agréable de jouer avec un écran comme ça qu'avec l'écran d'origine, quoi. On voit ma gueule. Coucou. Donc, ouais, c'est sympa ce petit concept de. On va reprendre Terry pour. De me rapprocher au fur et à mesure. Donc c'est sympa, il y a un petit effet de colorisation. Voilà ce qu'on a mis. J'espère que le bruit des touches ne sera pas trop parasite. Voilà, en plus je crame comme c'est pas permis. Alors évidemment un peu étiré, mais bon, c'est quand même moins beau. Alors perso, je trouve légèrement, alors c'est peut-être une sensation, mais je le trouve plus maniable sur Game Boy, quoi. Merci, quoi. Alors j'aurais pu faire une capture sur émulateur, mais voilà, je trouve que c'est sympa de. Quand on a une console qui donne un visuel pas trop dégueu de. Ce que j'ai mis. Donc on voit, on voit pas les visages au final, y a pas, on voit pas trop les yeux et tout comme ça, mais ça reste quand même hyper bien foutu, quoi. J'avais découvert ce jeu quand j'étais gamin sur une cartouche que mon oncle avait ramené de Thaïlande, où c'était les fameuses cartouches avec 30 ou 50 jeux dessus. Il y avait celui-là qui était compris en plus. Alors évidemment, ça n'utilisera jamais mieux jouer au pocket ou autre chose. Mais je trouve que pour. Ah je suis. Donc voilà, on va faire un petit. Débriefing. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce jeu? Personnellement, je trouve, ben, c'est nickel, c'est fluide, ça se joue, mais comme ça, tout sort, tous les coups sortent hyper facilement. Donc voilà. Donc en plus, c'est un jeu qui coûte quasiment rien. Ça démarre. On sait où on l'a acheté quand on voit ça. Maintenant, culé. Bref, donc c'est un petit jeu que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est. Ça n'a pas de prétention, par contre il est ardu quand même, il faut s'accrocher. J'ai réussi à le finir en mode facile, mais bon voilà, je suis pas un hardcore gamer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à regarder les autres, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez du jeu, pas de ma gueule, ça je m'en fous. Donc, vous pouvez aller voir aussi les liens des autres youtubeurs que je partage régulièrement, que j'apprécie énormément. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À très vite. Salut. Salut à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'une. Salut à tous. Nous allons pas. Salut à tous. Je vais vous montrer. Oh non. Salut à tous. Nous allons pas.